Bulle préfère la mousse. Bonjour les enfants. Maintenant, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Bulle préfère la mousse. Bulle préfère la mousse. Préparation et vérification d'Aman Sobol de l'édition Edisoft. Voici donc la suite de cette histoire. Voilà. Alors, nous étions ici. Bulle s'efforce de la suivre. Ça veut dire suivre la petite grenouille. Regarde, j'arrive à sauter maintenant. Bientôt, j'irai plus loin, dans le bras de la rivière, et je descendrai jusqu'à la mer. Voilà le rêve de Bulle. Voilà le rêve de Bulle. Voir l'océan. Il se demande si les algues sont aussi douces que la mousse de la mare. C'est ce qu'on appelle le péloquin. Mais c'est impossible, s'écrie Gloop. Tu ne pourras pas aller si loin. Et puis, sais-tu que l'eau y est salée? Je veux voir la mer et j'y arriverai. S'entête Bulle. Au petit matin, Bulle sort de chez lui un peu inquiet. Que penseront ses parents? Tant pis, il part vers l'aventure. Sans bruit, il se dirige vers l'autre bord de l'étang. L'eau commence à s'agiter. Bulle aperçoit le bras de la rivière. Un, deux, trois, il s'y jette. Bah, c'est vraiment froid. Le courant se fait plus fort et Bulle rencontre des poissons inconnus mais paisibles. Tout à coup, l'un d'eux s'adresse à lui. Bonjour cousin, je suis Flip. Alors voici Philippe, c'est le cousin de Bulle. Tout à coup, l'un d'eux s'adresse à lui. Bonjour cousin, je suis Philippe. As-tu remarqué comme nous ressemblons? Je suis une perche, moi aussi. Peut-être, mais je suis doré et noir. Suis plutôt vert et bleu. Alors ici, Bulle est vert et bleu. Par contre, Flip est doré et noir. Flip lui propose de l'accompagner jusqu'à l'estuaire. C'est là que la rivière se jette dans la mer. L'estuaire, c'est là que la rivière se jette dans la mer. Voici donc l'océan. C'est plus grand que la rivière. Enfin, ils aperçoivent au loin le mouvement fascinant de l'océan. C'est ici que nous nous séparons, dit Flip un peu ému. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Flip. Bulle goûte la mer et s'étonne. Sous ses nageoires, elle sent qu'elle bouge tout le temps. Soudain, une grosse vague l'emporte très haut pour le jeter loin sur le rivage, dans son trou d'eau tiède entre les rochers couverts de moules. Bulle décide d'attendre le retour de cette eau. Vraiment agité, Bulle patiente, patiente encore et s'endort. Un clapotis et quelques chatouillés le réveillent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Chers élèves, je vais vous raconter la suite de l'histoire dans la prochaine.